Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo que vous connaissez quasiment tous, je pense. Donc tout simplement, je vais essayer de faire un petit saut d'un pont. Parce qu'on m'avait demandé ça il y a quelques mois, donc je me suis dit, bah écoute, vu que je passais par là, j'ai vu en fait une échelle et je me suis dit que j'ai jamais mis les pieds dedans, donc je vais essayer d'explorer quel est l'endroit sur cette carte-là, parce qu'en fait ce que je fais généralement, c'est que je joue sur GTA V, je tourne un petit peu partout, j'essaie de passer dans tous les recoins possibles, et après si je vois par exemple ce genre de choses, bah je m'arrête et je vois par moi-même est-ce que c'est intéressant ou pas de le proposer en vidéo. Généralement j'essaie de vraiment vous faire plaisir à tous, donc il y a des vidéos comme j'ai expliqué qui sont simples, d'autres un petit peu plus complexes, d'autres où il y a du braquage, d'autres qui sont un petit peu plus posées, plus violentes. Donc voilà, j'essaie vraiment d'équilibrer un petit peu tout ce que je présente, mais en tout cas, trouver des idées à chaque fois, c'est vraiment pas évident. Je suis déjà à plus de 400 vidéos sur GTA, et croyez-moi, c'est qu'à chaque fois, j'ai essayé de faire des vidéos qui se reproduisent pas du tout. Et des fois, ça pique un peu parce que je manque d'idées, donc j'essaie vraiment de faire un. Comment vous expliquer ça? De proposer quelque chose à 100% de la carte, parce que. Par exemple, ce genre de petit endroit, ça peut être super utile, par exemple, si vous faites agresser par des rageux. Donc, vous allez tout simplement monter par l'échelle et vous avez la possibilité, par exemple, de verrouiller avec votre pistolet le mec qui va monter, parce que bien sûr, il ne vous verra pas forcément. Bon, en fait, ce qu'il va se dire, c'est qu'il va croire que vous êtes monté tout en haut. Bah, vous êtes resté sur un des podiums et vous l'avez braqué avec un fusil à pompe. Et par exemple, le mec, dès qu'il va monter pour vous buter, bah, vous allez tout simplement le liquider. Donc, ça peut être une bonne solution parmi tant d'autres. Moi, pour ma part, je me suis dit, bah écoute, je veux voir ce que c'est en fait cet endroit, donc je connaissais pas du tout. Et j'ai découvert en fait que c'était un pont, donc je pensais que c'était le pont tout au fond là. Vous voyez le pont rouge là, le pont. Je sais pas en fait on est de quelle ville, parce que je veux pas vous mentir, je regarde pas mal de documentaires ces derniers temps. Et à chaque fois, je vois cette ville là en fait qui apparaît en fond. Donc je sais pas, je crois que c'est peut-être Miami ou je sais pas. Mais à chaque fois, elle apparaît, c'est exactement la même chose. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont reproduit quasiment à l'identique. Donc c'est pour ça que. Je suis assez surpris, donc je pense qu'un jour si vous allez voyager quelque part, vous allez limite retrouver cette ville là, bah, vous n'allez pas être perdu parce que vous savez où tous les endroits se trouvent à quelque chose près. Donc attention de ne pas vous égarer dans les quartiers de Franklin. Mais en tout cas, vous avez pu voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses aussi à faire sur GTA. Donc après, c'est bien aussi de varier de temps en temps, par exemple des sauts en parachute, etc. Après, je vais essayer de faire des trucs avec la montgolfière, je vais essayer de repasser aussi en mode solo. Maintenant. Je trouve que franchement sur ce pont-là, la vue elle est impeccable. Impeccable, mais c'est impressionnant comment c'est bien fait. Donc là j'ai sauté. Donc j'essaie tout simplement de pouvoir me... là ce qui est bien c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus, j'ai pris un peu d'auteur. Donc dommage qu'il m'a pas retiré dessus. Parce que ça m'aurait vraiment propulsé parce que je pensais franchement atterrir sur le bateau. Hein. En tout cas, vous avez pu voir que la vue elle était super belle. Je trouve franchement qu'il y a des super endroits sur GTA V qu'on néglige à chaque fois parce qu'on veut tout le temps faire des braquages, faire des hold-up, etc. Mais il y a pas mal d'endroits assez sympas à explorer encore. Et mon but à moi, c'est d'explorer, on va dire, à 100% la carte. Donc après, je ferai vraiment de tout. Donc là, vous avez pu voir, c'est que c'est quand même impressionnant la hauteur. Hein. Mais je pensais qu'il y avait un petit pont en fait qui les reliait. Donc si vous voulez vous amuser, bah, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc je pense que là, je ferai une partie prochainement. Je vous en dis pas plus, je ferai quelque chose de assez sympa avec mes abonnés. Donc je vous retrouve tout de suite pour d'autres vidéos. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.